votre guidance du 9 juillet 2020. Alors aujourd'hui, j'ai un peu changé le format du tournage pour vous dire un petit peu bonjour en direct parce que bon, je fais depuis un moment des vidéos sans que l'on me voit, mais voilà, pour ceux qui ne me connaissaient pas, et bien pour ceux qui me connaissaient, et bien voilà, j'apparais en direct. Alors, et bien j'ai déjà préparé pour le 9 juillet les cartes avec l'oracle du miroir, mais je compléterai ensuite avec l'oracle G qui est là. Alors je vous invite à vous abonner sur Saga de Rune. Je vous invite à vous abonner sur Images de l'âme. J'ai parlé de Saga de Rune parce que tout simplement j'ai une autre chaîne Saga de Rune où je fais chaque jour un tirage. Alors vous avez un lien sous la vidéo, le tirage du 9 juillet sur Saga de Rune où je travaille avec les runes et les tarots, notamment les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Et je vais mettre maintenant en ligne pendant quelques jours et bien les guidances amour pour l'été, pour les signes astrologiques. Voilà, je fais ma pub pour Saga de Rune. Alors bien, merci à vous tous qui me suivez au quotidien. Et puis, je dis bonjour aux nouveaux abonnés, aux futurs abonnés et à tout le monde. Alors bien, j'ai tiré pour vous avec l'oracle des miroirs. 15 cartes de l'oracle des miroirs. Et la première, eh bien, parle d'une réunion. Alors, une réunion, qu'est-ce que c'est que cette réunion? Il y a une réunion, il y a la loi qui est là. Alors, est-ce une réunion pour parler d'une décision de justice qui vous concerne, en tout cas d'une décision pour trouver, eh bien, un accord, quelque chose d'équilibré, parce que la loi, eh bien, a deux balances, deux plateaux plutôt, qui doivent être équilibrés, et vous attendez peut-être pour certains, eh bien, tout simplement une décision. Alors, c'est des décisions avec une table ronde, on voit des chevaliers là, on voit un siège vide tourné de dos. Elle vous concerne certainement. Vous n'êtes peut-être pas présent à cette réunion, ou allez-vous l'être, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cela vous concerne, qu'on va parler de vous, qu'il va y avoir une décision qui vous concerne, et cette décision n'est pas nécessairement non plus une décision de justice, bien que la justice soit là, que l'équilibre soit là. De toute façon, il va y avoir une décision qui va être prise, qui va revenir vers vous comme un boomerang. Donc cette décision, elle vous concerne, elle est pour vous. Il y a de l'amour dans l'air. Alors après tout, pourquoi pas, est-ce une décision qui va être prise aussi entre vous et une autre personne concernant l'amour, peut-être le retour d'un amour, en tout cas je vous le souhaite. En tout cas ça commence bien parce qu'il y a quand même des ententes qui vont se faire automatiquement puisque les gens se réunissent. Alors est-ce vous avec une autre personne? Est-ce des personnes qui se réunissent pour parler de vous? Mais de toute façon, cela concerne, on pourrait dire en tout cas, les sentiments. Il y a de l'amour. L'amour revient peut-être aussi avec ce boomerang qui parle du retour de l'amour. Notamment que la tranquillité s'avance rapidement pour cela. Et la tranquillité, l'amour, le boomerang, ça veut dire que pour certaines, tout simplement, l'amour est de retour. Il va y avoir pour cela quand même des discussions automatiquement parce que ça va se faire comme ça. Il va falloir discuter, parler, hein, et l'amour, eh bien, s'avance. Alors, tout cela est très bien, la seule chose, c'est qu'il y a un choix à faire, hein, avec ce carrefour qui nous dit, eh bien, tout simplement, je suis là, vous êtes là, hein, on est tous là, devant un carrefour, là, hein, ce petit bonhomme est là devant le carrefour, et il a tellement de directions devant les yeux qu'il ne sait pas laquelle prendre. Et c'est là qu'il va falloir peut-être trouver un moment d'apaisement avec cette tranquillité, pour tout simplement, eh bien, savoir la direction à prendre, même s'il y a des discussions, des réunions, la décision vous est particulière, c'est vous qui devez prendre la décision, c'est vous qui devez savoir quelle est la direction que vous devez prendre, et si vous acceptez peut-être ce retour aussi, peut-être d'une personne dans votre cœur, dans votre vie, peut-être. Et il y a aussi peut-être aussi la décision d'une de personne vous concernant qu'il va falloir peut-être envisager de suivre ou de ne pas suivre. Après tout, pourquoi pas? En tout cas, la loi est là, il y a un équilibre qui va se trouver de toute façon avec la loi. Vous êtes amené encore peut-être à réfléchir, à vous isoler, à réfléchir justement à cette décision pour savoir, eh bien, si c'est la bonne décision pour vous, si elle vous concerne, si vous devez suivre, eh bien, cette, comment dirais-je, ce chemin à suivre, hein, cette invitation à suivre un certain équilibre également. Et il est question d'un homme qui est là au centre du jeu. Alors, est-ce vous cet homme qui est amené à recevoir une décision, à avoir un retour de l'amour,
un retour affectif, parce qu'il y a eu quand même, et là on est quand même avec la justice et l'accusation, quand même dans une idée plus prononcée d'accusation et peut-être de procès qui est devant la loi, devant des juristes, ou en tout cas une, comment pourrais-je dire, quelque chose qui vous concerne et qui a trait à tout ce qui touche à l'administratif. Peut-être attendez-vous une décision vous concernant qui va avoir une importance primordiale sur votre avenir. C'est pour ça que vous êtes à un carrefour de vie. Vous ne savez peut-être pas aussi la décision qui va être prise pour vous. Là, c'est plus compliqué. Alors, il y a la fécondité. On a vu qu'il y avait quand même un retour. Alors j'ai un retour là avec la fécondité. Alors est-ce justement le retour d'une personne, le retour d'une décision qui revient vers vous, mais c'est aussi cette roue là qui tourne, ce retour, c'est un cycle de vie, c'est un nouveau cycle qui va être là, qui va être fécond, hein, puisqu'il y a quand même quelque chose de nouveau, il y a une renaissance, il y a quelque chose qui arrive. Alors, qui vient de loin peut-être avec cette distance, peut-être est-ce aussi une amitié, hein, un ami qui revient vers vous, peut-être est-ce cet homme qui revient vers vous, peut-être une personne à laquelle vous pensiez en amitié, et peut-être que cela va se transformer en amour. Il va y avoir des discussions à mon avis. Des rêves sont là. Lorsque la carte de rêve sort, c'est plutôt des rêves qui se réalisent plutôt que des illusions. Attention non plus de ne pas être dans des rêves illusoires. Mais nous avons l'hérédité, comme si quelque chose venait de loin, venait du passé. Alors, dans tout ce tirage, moi je vois une décision qui peut être une décision de justice, carrément, hein, devant des hommes de loi. Mais il y a peut-être aussi avec cette réunion de l'amour, il y a peut-être deux personnes qui vont se rencontrer pour discuter de leur avenir commun. Et c'est bien sûr vous qui regardez, qui devez savoir quel est l'avenir que vous voulez avoir ou ne pas avoir avec cette personne. Il y a aussi l'idée quand même, quand on est dans la fécondité et l'hérédité, qu'il peut y avoir un enfant. Ou qu'il y a une réunion, hein, qui concerne un enfant aussi. Un enfant à venir ou un enfant qui est déjà là. Il y a peut-être un procès pour une garde d'enfant. Vous voyez, on est quand même dans cette idée aussi de justice. Peut-être avez-vous été accusé à tort ou à raison, je ne sais pas, par un homme, ou est-ce vous l'homme qui avez été accusé dans une décision de justice qui vous concerne. Alors, nous allons voir, eh bien, avec l'oracle G, comment compléter ces cartes. Je vous invite à aller voir également pour l'été sur Image de l'âme, vos tirages mensuels ou des signes astrologiques. Voilà, vous aurez une idée un petit peu. Alors j'ai fait cela avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille, le très bel oracle Clint, et je vous invite à aller voir cela. Alors je vais compléter donc ces cartes, ces 15 cartes, avec chacune, eh bien, une carte de l'oracle G. Alors voyons. Voyons, qu'est-ce que cela me dit? Alors, je vais mettre les cartes sur la table et je vais prendre donc une carte. Alors, la première, eh bien, c'est quand même une belle carte parce que c'est la pleine saison, c'est en ce moment. C'est aussi l'idée avec ces feuilles-là qui commencent à pousser, une idée de renouveau, vous voyez. C'est plutôt la carte du printemps que la carte de l'été, vous voyez, les feuilles sont encore nouvelles. Il y a une idée de renouveau, il y a un nouveau cycle qui va s'instaurer, il y a quelque chose de nouveau qui arrive par rapport à cette réunion. Alors, vous voyez, la transformation avec l'amour, on a une transformation, quelque chose qui va se faire terminer peut-être, mais pour que quelque chose renaisse, il y a comme un changement de cycle, on l'a vu avec la roue, il y a quelque chose de nouveau. Peut-être est-ce vous qui allez être transformé par rapport à cette réunion. Alors ça concerne aussi peut-être le travail, parce qu'on a quand même avec le boomerang le travail. Peut-être pour certains, et on ne l'avait pas encore évoqué, il y a peut-être une idée qu'il y a une décision qui va être prise concernant le travail. Il y a quelque chose qui revient à ce niveau-là. Alors on va voir, hein, on va continuer. On a la force, hein, la force avec la tranquillité.
Donc vous allez quand même trouver un certain apaisement, parce que la force et la tranquillité, ça veut dire que la force de la force, eh bien, c'est tout simplement la force. Parce que bon, il y a une idée quand même que peut-être cette force, vous allez la puiser en vous. Vous allez trouver des solutions à vous avec cette tranquillité qui est là, cet apaisement. En tout cas, la force va vous amener l'apaisement, comme l'apaisement va vous ressourcer, vous redonner de l'énergie justement pour savoir quel est le chemin que vous devez prendre. Alors l'amour, vous voyez, il y a quand même une décision amoureuse qui est là malgré tout. Alors ça pourrait être aussi un travail sur l'amour, hein, simplement travailler sur votre amour, sur le couple, c'est possible également. Hein. Il y a l'amour quand même qui revient, vous voyez, il y a quelque chose qui va se passer, il y a une décision qui va être prise au niveau quand même des sentiments, au niveau amoureux. Alors je continue parce que c'est un très très beau tirage, la chaleur, le foyer, vous voyez, on se réunit autour du feu, on discute. Il y a comme peut-être une réconciliation, des sentiments qui reviennent, vous voyez, la chaleur qui revient dans les sentiments, mais c'est vraiment très très beau. Il y a eu des disputes, on l'avait vu, hein. Il y a eu des disputes, il y avait eu des accusations. Hein. Alors je ne sais pas si les disputes vont avoir lieu par rapport à une réunion, mais il va y avoir quand même une confirmation de tout cela. C'est-à-dire que il va y avoir peut-être où il y a eu des disputes, des accusations, vous voyez, mais on dirait que les choses reviennent, que la chaleur revient, qu'il y ait un apaisement, vous voyez, il y a tout cela.